Il n'y a pas de statut VTC tel que ça existe partout dans le monde. Donc le seul statut qui existe, c'est un statut d'agrément. Et donc ce qui nous différencie, c'est que d'abord on est légal. On est les seuls à travailler avec des gens qui sont dans la légalité. Donc notre application, elle s'insère dans le cadre juridique marocain. Après, en termes technologiques, rien ne nous différencie de ces gens parce qu'on a, on va dire, la même qualité en termes d'utilisation des nouvelles technologies. On a une application qui permet la mise en relation entre un client et un chauffeur de taxi qui a un agrément. Cette application permet de faire de la notation de part et d'autre. Donc les clients peuvent noter le taxi et le taxi peut noter le client. On a aussi une application qui utilise la géolocalisation, donc vous allez voir le taxi arriver chez vous. Le sens de la marche mondiale n'est pas forcément les VTC. N'est pas forcément d'aller sur d'autres types d'agréments. Alors, si on dresse, la situation du transport au Maroc, on a quelque chose comme 75 000 taxis au Maroc, avec plus de 90 000 chauffeurs. Donc, si on fait 3 personnes par chauffeur, en termes de famille, en termes de gestion, on est sur une population de 300 000 personnes. On ne peut pas venir dire à ces 300 000 personnes, vous savez, on va créer un autre statut, on va faire une distorsion de marché, on créera 100 ou 200 000 autres personnes et on fera en sorte à ce que votre revenu soit divisé sur l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Donc la seule manière d'aller encore vers l'avant, c'est de travailler avec ce secteur, faire en sorte à ce que les revenus moyens d'un chauffeur puissent augmenter et la qualité en face, parce que le consommateur marocain souhaite la qualité. Un bilan très positif. D'abord, l'État a travaillé sur un cahier des charges qui est lancé au niveau de l'ensemble des wilayas pour pouvoir être autorisé. Donc notre activité est réglementée, alors que tout le monde prétend, les autres acteurs prétendent qu'il y a un flou, alors que non, il n'y a pas de flou. Les choses sont très très claires, le cadre légal est établi. Deuxième chose, ça nous a permis de travailler en profondeur avec les chauffeurs de taxi en termes de formation, d'information sur la sécurité routière, sur l'optimisation des courses, l'utilisation des nouvelles technologies, ne serait-ce que par l'utilisation des quelques applications qui permettent de rendre efficace une course. Et puis après, de travailler avec les consommateurs pour leur dire on est capable de vous fournir un taxi en moins de 3 minutes, un taxi de qualité, un taxi qui est dans un état acceptable et intéressant. Vous savez, les taxis Hitch, vous allez trouver une bouteille d'eau, des bonbons et un chargeur pour votre téléphone. On dépasse les 300 000 clients. Donc on a des clients qui sont, on va dire, fidèles, qui utilisent nos taxis 2 ou 3 fois par semaine. On a, en termes de flotte, on dépasse les 6 000 taxis qui utilisent l'application régulièrement et qui transportent nos clients. Et quelques millions de rides par an. Donc quand on dit un ride, c'est une course. Et on a un temps d'approche qui est en moins de 3 minutes. C'est-à-dire si vous demandez un taxi, vous l'avez en moins de 3 minutes.